Donc déjà, merci de votre invitation. Et puis pour présenter brièvement Ponticelli, donc nous sommes une entreprise familiale fondée en 1921 et nous avons un effectif de 5000 personnes à travers la France et les continents africains. Eh bien, nous avons en fait, il y a à peu près un an, aucun logiciel ou de solution qui nous permettait de gérer notre parc informatique et le helpdesk. La direction nous a demandé de mettre en place en fait d'abord un helpdesk pour répondre en fait aux sollicitations de nos clients internes pour suivre les incidents. Donc nous avons un petit peu challengé plusieurs solutions et GLPI qui est un leader sur le marché, hein, pour ne pas se cacher, est ressorti naturellement du lot. Voilà, tout simplement. Et puis, GLPI, on en discutera un peu plus tard, on n'avait pas les moyens humains, ressources et techniques chez Ponticelli pour implémenter tout seul cette solution. Et arrivera donc TechLib. Alors, une fois que nous avons pris cette décision de prendre GLPI, ce qui nous a séduit vraiment dans cette solution, c'était une mise en production très rapide. Peu de ressources aussi au niveau infrastructure, hein, et une prise en main, on va dire, assez rapide quand même, de cette solution pour l'intégralité des techniciens. Le petit point négatif, un petit bémol, je veux dire, plutôt que négatif, les écrans, mais ça c'est un peu technique, sont très détaillés et certains techniciens au départ ont été un petit peu perdus de savoir quelle information ou non ils devaient renseigner et pour vraiment ressortir l'information principale. Mais une fois au bout d'un mois de rodage, ce petit bémol s'est effacé naturellement. Ponticelli est très full Windows. Nous, ce que nous cherchons, c'est pas être affilié à telle marque ou à tel constructeur. Ce que nous cherchons, c'est vraiment la meilleure solution à notre cahier des charges. Et TechLib nous a, nous a proposé, ou GLPI plutôt, avec TechLib, un partenariat fort, hein. C'est une solution libre, mais ça aurait pu être une solution payante. Ce n'était pas un choix déterminant ni réfractaire pour l'implémentation de ce produit chez nous. Mais voilà, ce que je dis, c'est payant ou libre, ce n'est pas le choix, hein. Parce que même si nous prenons libre, nous avons une petite structure informatique par rapport au groupe et on cherche plutôt un accompagnement et le bon produit à la bonne place. Déjà, ma présence ici fait que je suis très satisfait. J'ai trouvé en TechLib vraiment une relation, on va dire, humaine importante. J'ai plusieurs fois, avec petite expérience que j'ai de 20 ans d'informatique, des entreprises très axées, un peu mode SAP, excusez-moi du terme, où c'est des prestataires juniors qu'on vous envoie, et puis pas de relation vraiment ou de contact humain. Voilà, les grosses machines qui arrivent, toute l'infrastructure. Alors que là, j'ai vraiment senti une entreprise qui était un peu comme la nôtre, avec des relations humaines qui sont très fortes. Et un partenariat et un dialogue qui s'est fait très naturellement avec tous les intervenants que j'ai eus, soit par téléphone, soit physiquement dans nos locaux. Alors, nous avons implémenté maintenant, il y a à peu près 7 ans, une solution qui s'appelle Jaya, qui est une solution libre de portail web. Donc, ça se passe très bien. Mais il n'y avait pas eu cette collaboration qu'on a avec vous, avec TechLib, par rapport à la solution libre. C'est qu'ils nous ont vendu un package, on va dire, même si c'est une solution libre. Et après, c'était un petit peu débrouillez-vous. La réussite de ce projet, c'est pas que GLPI. C'est GLPI et TechLib. Voilà. Je pense que sans TechLib, GLPI ne serait pas là aujourd'hui chez Ponticelli un aimant important. Aujourd'hui, voilà, sans GLPI, mes techniciens se retrouvent nus, entre guillemets. Et donc, c'est un point très important.